Ok, lis le verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alléluia. Oui, merci. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Mais quel soit l'antichrist, il ne pourra pas. Et dévore leurs ennemis. Ok, même l'antichrist, il ne pourra pas. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ok. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Alléluia. Afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Alléluia, on arrive par là. Les jours de leur prophétie, c'est 1260 jours. C'est 40 pour moi. 40 mois. C'est quoi? C'est 40 mois. Oui, 260 jours. Parce que dans la Bible, ok, nous comprenons ceci, que le mois a 30 jours. Vous voyez ça? Quand on va prendre 1200, ok, 1260 divisé par 30, tu auras 42 mois. Amen. Je suis béni. Parce que le 30 là, ok, est vu comme étant un mois. Tu verras 42 mois. Amen. 42 mois. Que le Seigneur bénisse. De ce que nous appelons un temps, des temps, la moitié d'un temps. Parce que une année est égale à 12 mois. 12 mois fois 3 est égale à 36. Or, maintenant, le 6 là qui s'ajoute pour faire 42. Le 6 là, c'est la moitié de l'année. C'est là où on parle de 3 ans et demi. Un autre jour, on parlera. Que le Seigneur bénisse. Donc, par contre, nous voir le bien-aimé, par la grâce du Seigneur, que les deux soins ont le pouvoir. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sortira. Même l'antichrist ne pourra pas leur faire du mal à ces personnes précises-là. Pendant les 3 ans et demi là. Donc ils ont le pouvoir. Après qu'ils aient fini leur prophétie. Ok? Vous allez maintenant voir que l'antichrist va maintenant se lever. Il va maintenant leur faire la guerre. Continue. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Oui. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le voudront. Ok. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vous avez vu? Les vaincra. Je n'ai pas dit qu'on va les vaincre spirituellement. On va les vaincre physiquement. On va les tuer. Que le Seigneur bénisse. Donc, nous sommes en train de voir que maintenant, là, maintenant, les 3 ans éternels sont passés. C'est un événement. Là où les deux soins ont marqué la terre en prêchant la parole à Israël, en prêchant la parole, et ils ont fait des miracles, des prodiges. Ok? Parce que vous allez voir dans la première de votre terre, quand on va les tuer, quand on va les tuer, non, vous allez voir que les gens de la terre vont se faire des présents. Parce qu'ils seront dans la joie. Parce qu'on les a tués. Les deux prophètes qui tourmentaient la terre. Que le Dieu vous bénisse. Donc nous sommes en train de comprendre, mes bien-aimés, que les deux soins, c'est un événement. Ils sont en train de prêcher la parole pendant 3 ans et demi. C'est un événement qui passe. Parce qu'Israël doit être sauvé. Pour le salut d'Israël. Israël doit être sauvé. Parce que pour l'instant, Dieu a tourné les regards vers les nations. Pour choisir un peuple qui doit porter son nom. Et après cela, il retournera maintenant dans la chute de David. C'est ce que le bien-aimé Jacques a expliqué. Après que Pierre ait pris la parole, nous sommes dans Actes chapitre 15, pendant le concile. Quand Pierre a pris la parole, il a fini. Jacques prend la parole. Il dit ceci que non, c'est ce qui est écrit dans le prophète. Ok? Après cela, je retournerai, ok, vers les nations. C'est-à-dire, je tournerai d'abord les regards vers les nations pour choisir un peuple qui doit porter son nom. Et après cela, il reviendra dans la maison d'Israël pour sauver Israël. Amen. Donc, c'est ça maintenant cet événement-là. On doit maintenant aller maintenant sauver Israël. On doit maintenant prêcher la parole pour que Israël soit sauvé. Maintenant, quand cet événement-là passe, il y a maintenant l'événement de l'Antichrist. L'Antichrist va maintenant imposer la marque de la bête. L'Écriture dit ceci. Donc, Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Apocalypse chapitre 13, verset 5. Oui. La Bible déclare, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ok. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant
42 mois. Vous avez bien voir. Donc ça veut dire qu'ils sont, il a le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Réfléchissez-moi à peu 11. À peu 11. Maintenant le verset 2. Regardez. Vous n'avez pas passé 42 mois. Là-bas, 42 mois, 42 mois. Regardez. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Ok, pendant 42 mois. 42 mois, c'est comme je vous ai dit, c'est 3 ans et demi. Une année, et c'est là, 12 mois. 3 ans, 12 fois 3. 3 ans est égal à 36. Vous voyez ça? La moitié de l'année est égal à 6 mois. Quand tu vas prendre 36 plus 6, c'est égal à combien? 42 mois.